Il faisait sombre, impossible de savoir si le soleil s'était levé ou si la nuit dominait. Un jeune homme au physique de dieu grec et armé d'un couteau s'apprêtait à empaler sa proie. Attends, non, arrête! Ses cris, ils résonnèrent dans l'esprit du jeune homme aux cheveux noirs. Ses yeux, dont l'aura était effrayante, venaient de revenir à la normale. Sa proie était un autre jeune homme. Pris par la terreur, il lui demande s'il va bien, mais l'assaillant est perturbé. C'est comme s'il avait été absent. Merde, ma tête. J'ai mal. L'autre jeune, toujours terrorisé, lui confie qu'avec toutes les drogues qu'on leur a fait avaler, c'est normal de se sentir embrumé. À vrai dire, il l'est lui-même. Complètement perdu, le protagoniste se relève et écrase sans trop faire attention la jambe de l'autre jeune toujours au sol. J'étais bourré hier. Je vais y aller, tu devrais faire attention à toi. Mais qui c'est ce type? Il est perdu. Qu'est-ce que cet endroit? Il s'était pourtant bien endormi dans sa chambre la veille, alors. Comment? Ses pensées sont perturbées par un chant d'horreur. Se tiennent devant lui des cadavres par dizaines, des hommes en tenue militaire et d'autres jeunes hommes et femmes aux tenues étranges. Pris de panique, il s'efforce de garder son sang-froid. Que faisait-il hier? Il a forcément bu, c'est logique, mais avec qui et où? Soudain, un bruit. Une jeune femme au poing lié est blottie contre des casiers. Elle porte une blouse blanche. Cette femme, peut-être qu'elle pourrait m'aider. Alors qu'il lui demande si elle va bien, elle lui crie de ne pas s'approcher, de ne pas la tuer. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il laisse tomber quelque chose. Un bruit d'acier retentit sur le sol. Un couteau. Mais pourquoi avait-il un couteau en sa possession? Sa mémoire est toujours floue et la panique monte. Des souvenirs ressurgissent. Une explosion. Un monstre humanoïde défonce un mur à la seule force de ses poings. Des soldats sont présents. Ils vont le combattre. Mais avant d'avoir pu user de leurs armes, le colosse en attrape un par la tête et lui broie le crâne sans forcer. Son collègue sait qu'ils n'ont aucune chance face à une telle chose. Mais oui, c'est des renforts qu'il leur faut. J'ai mal, pourquoi? Pourquoi je fonds? J'ai mal! C'est à cause de vous, vous allez payer, payer! Ce n'est pas un seul monstre, c'est une véritable horde de ces derniers qu'il faut arrêter. Ça y est, ils sont libres. Oui, mais il est là. Débutons. Notre protagoniste s'élance vers ces monstres. De sa lame, il les découpe un à un. Ses mouvements sont fluides, parfaits. Il est d'une précision incroyable. Dos au mur, la dernière créature, encore debout, essaye de le raisonner. On est dans le même camp. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ces mots n'auront eu aucun écho alors que la lame de notre protagoniste vient se planter dans le crâne de la créature qui le suppliait. Dans le même camp, hors sujet. Sa tête lui fait mal. Quel est ce souvenir? Est-ce réellement sa mémoire? La jeune scientifique lui demande s'il se sent mal, s'il a des douleurs au ventre ou bien des nausées. Il répond de manière désinvolte qu'il a bu la veille, mais la jeune femme ne semble prêter grande attention à ses propos. Elle se lance dans une série d'explications. Des médicaments, une capacité maximale élevée, une détérioration. Ces mots, il n'en comprenait pas le sens. Enfin, s'il l'épargne, elle le guidera vers une chambre avec un inhibiteur. Perplexe, il la fixe. Le regard de la femme est fuyant. Elle est terrifiée. Soudain, des cris. Là, un cobaye! Ils sont beaucoup trop nombreux! La jeune femme explique que des cobayes se sont éveillés subitement et qu'aucun chasseur pro n'est présent dans l'institut pour s'occuper d'eux. Cette fois, il a compris. Des vagues de cobayes, des chasseurs, cet institut. C'est le monde que j'ai créé. C'est Mystic World! Eh oui, Mystic World, c'est mon jeu en réalité virtuelle. Celui que j'ai créé avec l'aide de mon équipe. Ces cobayes, ce labo, c'est le repère d'un des antagonistes. Bordel, mais comment j'atterris ici? J'ai allumé le jeu en étant torché ou bien? Ouah, j'avais tellement peur que ces cadavres soient des vrais. Ces mots terrifient et dégoûtent la jeune femme. Mais notre protagoniste n'y prête guère attention. Au contraire, c'est un souvenir bien inquiétant qui ressurgit en lui. Jamais personne n'avait prévu d'ajouter un tel niveau dans le jeu. Le labo ne devait être qu'un vestige de ruines inaccessibles. Ah, je suis bête. Je leur avais demandé de me changer tout ça et de me faire un petit voyage dans le temps à la place. Et ce serait vengé avec ça. La jeune femme est plus que perplexe. Mais de quoi il parle? Elle le ramène à la réalité en lui demandant de défaire ses liens. Ce qu'il fait. Eh oui, vous êtes Kim Si-eun, non? Ouais, vous êtes la fille du directeur de recherche. Celui qui s'occupe là des capacités psychiques de... Elle le coupe, choquée. Comment peut-il savoir tout ça? En tant que créateur de ce monde, le jeune homme lui confie qu'elle devrait faire preuve de prudence. Il existe dans ce labo un homme incroyablement dangereux. Celui-ci répond au nom de Li Han, matricule S21. Son pouvoir est tel qu'il peut rivaliser avec le boss de fin du jeu.
Toutefois, à ce niveau de la partie, il est loin de son potentiel maximum. Mais il reste incroyablement dangereux pour autant. Cependant, il est simple à reconnaître. Ses cheveux sont d'un noir sombre et ses yeux brillent d'une lueur vive. La scientifique lui demande de confirmer. Doit-elle bel et bien éviter S21 ? Il répond qu'il est l'élément le plus dangereux de la quête. D'un coup, surgit un soldat. Il apparaît comme soulagé de retrouver la scientifique Kim Si-eun. Sa joie ne se fait que de courte durée dès qu'il remarque notre protagoniste. Ah ! Un cobaye ! Dégage de là, laisse-la tranquille ! Notre protagoniste se défend. Il n'est pas S21 ? Il n'est qu'un simple joueur ? Forcément ! Il n'est pas très convaincant. Les cadavres présents, ces deux sont dus. Crois-moi que je vais les venger ! Je vais t'abattre ! Arrêtez, je vous assure ! Je ne suis qu'un joueur ! D'un coup, pause. L'esprit et le corps du jeune homme sont scindés. Ses yeux brillent. Il évite le coup du soldat. Son corps bouge tout seul. Du vert ! Des yeux brillants. Ses cheveux ? Ce sont les traits de Lee Han. Mais comment ? S21 esquive de justesse la lance du soldat, alors que Si-eun supplie ce dernier d'arrêter. Il n'en tient pas rigueur. Lee Han encaisse un coup, mais se reprend et lâche un violent coup de coude sur le crâne du soldat. Désolé, désolé, je vous jure que je ne voulais pas faire ça, je le jure. Ce n'est pas normal. Il ne devrait pas incarner Lee Han. Et pourtant, le protagoniste ouvre sa fenêtre de stats. Non, Lee Han, incarné par Lee Beop-gyu. Ses caractéristiques sont bien celles d'un début de partie. Mais comment est-ce qu'il a pu se retrouver à jouer un antagoniste ? Toujours aussi perplexe, Si-eun lui demande ce qu'il a à brasser de l'air. Bien oui, les PNJ, personnages non joueurs, ne peuvent pas voir les stats. S'il doit continuer, il va falloir être bien plus discret. Si-eun, je vous assure que je ne voulais pas en arriver là ! Elle rétorque que ça n'est plus important, qu'elle-même avait essayé d'arrêter le soldat. Il n'a rien voulu écouter. C'était perdu d'avance. Jamais un humain normal ne serait en mesure de mettre hors d'état de nuire un éveillé. Si-eun invite S21 à s'asseoir. Elle lui retrace ses origines. Lee Han était un homme faible, avec de minables pouvoirs psychiques. En revanche, ses pouvoirs magiques étaient ahurissants. Et c'est elle qui a créé le monstre qu'il est devenu. Discrètement, elle sort une seringue alors que les deux discutent et la plante d'un coup dans le bras de Lee Han. Ah, que faites-vous ? Il ne comprend pas. Comment un PNJ pourrait agir à sa guise ? Je me sens faible. Si-eun lui a injecté un puissant tranquillisant. Mais manifestement, et s'il est effectivement affaibli, ça n'a pas pour effet de calmer Lee Han. La situation à l'extérieur est encore critique. Ils sont désormais proie au danger du labo. Cependant, d'après elle, il n'y a pas plus dangereux que lui, ici même. Lee Han vacille et est désespéré. Elle ne lui fait pas confiance. Mais comment pourrait-il gagner cette confiance ? Il en reste muet. Si-eun lui demande s'il n'a pas d'autre excuse à donner. Puisque je vous le dis, ce n'était pas mon intention de le tuer. Ça, au fond d'elle, elle le sait. Après tout, c'est elle qui est en charge du cas de Lee Han, et c'est également bien pour ça qu'elle l'a neutralisé. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux qu'un surhomme capable de tout et sans contrôle ? Elle lui rappelle qu'il a tué un nombre colossal de chercheurs, sans même s'en rendre compte. Pire, il n'était même plus en mesure de reconnaître sa responsable. La méfiance est omniprésente, et Si-eun ne peut déceler si cette prétendue amnésie fait partie des faits secondaires des expériences sur le mana qu'il a subi, ou s'il est juste un très bon acteur. Il ne sait pas comment la convaincre. Son esprit tourne et retourne la situation. Mais la brume emplit son esprit. Il perd de nouveau sa lucidité. Un soir de pleine lune, rentre un homme dans un restaurant. Une femme l'appelle. Pop-you. Pas fichu de prononcer mon nom correctement. Va falloir que t'arrêtes de m'appeler comme ça. C'est Beop-gyu. On dirait que tu bugs d'une insulte. La femme s'appelle Monica. Elle lui sert un verre et l'invite à trinquer au nom d'une fin de projet. C'est parti pour l'ouverture de la bêta. Monica, c'est la vice-présidente d'un titan de l'industrie du gaming. Los Fantasia. Et moi, Lee Beop-gyu, j'en suis le président. Ça fait 10 ans qu'on taffe ensemble. Après des jours sans fin à travailler d'arrache-pied, l'alcool relaxe Monica d'un coup. Si bien que cette dernière invite Beop-gyu à se faire une petite partie gaming. Et pas sur n'importe quel jeu. Sur Mystic World. Pile avant sa sortie, prévue demain. Beop-gyu n'est clairement pas enthousiaste. Comment le développeur, à peine son œuvre finie, pourrait s'amuser sur un jeu qu'il connaît par cœur ? Monica, quelque peu débridée par l'alcool, rejette son refus et le place sous joug du négativisme de son PDG. Mais celui-ci a ses raisons. Mystic World est un projet colossal. Il doit garder un œil attentif en tant que superviseur, avant et pendant le lancement de la version bêta. Qui plus est, il compte pas prendre sa retraite au grand dam de Monica. Quelques heures et surtout quelques verres plus tard, Beop-gyu traîne péniblement une Monica hors service par l'alcool.
Celle-ci le tanne à jouer au jeu si bien qu'il cède pour avoir la paix. Mais celle-ci n'est pas dupe et sent qu'il n'est pas sincère. Ouais, oui, c'est bon, je vais le faire. D'un coup revitalisée, elle est d'attaque pour une nouvelle tournée des bars. Les deux partent s'amuser entre bar et karaoké. Beobgyu prend conscience qu'il n'a pas laissé une seule seconde à sa personne. Après tout, un peu de repos ne ferait pas de mal. Peut-être que si, en fait. De retour au cœur du labo de Mystic World, Beobgyu, incarnant l'antagoniste Li Han, a compris. Ça ne peut être que Monika qui l'a connecté au jeu pendant qu'il était torché par l'alcool. Mais maintenant qu'il sait, jeu, déconnexion. Rien. Ah si, la scientifique Si Hun le prend pour un fou. La panique gagne notre protagoniste. Est-il coincé dans son propre jeu ? Si Hun l'extirpe de son angoisse. Le médicament fonctionne. Elle le voit son état. Beobgyu la regarde, d'un air triste. Elle lui demande s'il est surpris qu'elle agisse de la sorte. Non. Oh non, il ne l'est pas. Il sait à quel point le personnage qu'il incarne, Li Han, est dangereux. Cependant, il réitère. Il ne veut pas lui faire de mal. À aucun moment, il n'a menti. Mais le problème sous-jacent est bien le suivant. Comment savoir s'il ne va pas s'en prendre à elle dans son état de transe ? Si elle lui dit toutefois qu'en respectant ses consignes, et ce jusqu'à ce qu'il soit sorti, sa confiance, il l'aura. Beobgyu est dégoûté. Il est coincé dans son jeu, il incarne un antagoniste, et il doit répondre au nom d'un PNJ qui ne suit aucun script. Si seulement, oui si seulement, il tenait mieux l'alcool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir d'avoir travaillé dessus, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Vous y retrouverez dessus des épisodes spéciaux, ainsi que les versions non censurées de tous mes épisodes que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Winter Solstice.